peu hypé ce petit moment, tu vois, genre juste ça, le incroyable, ils sont tous les deux au milieu du ring. Incroyable. C'est une scène, hey, on lance le match. Plante, on va voir de la plante du coup. Plante, c'est le personnage depuis le début de Smash, je n'arrive pas à contrer cet animal. On aura beau me donner toutes les techniques, même les joueurs de plantes, ils sont gentils avec toi, tu sais, ils sont là, ils sont friendly, ils disent écoute, fais ça mec pour battre la plante et tout. Je trouve ce perso super compliqué à affronter. Et j'ai du mal avec ses options. Voilà, mais c'est la parole d'un joueur classé site 64 sur 64 joueurs. Voilà, donc pour donner un ordre d'idée. Ouais voilà, ce petit neutral qui fait peur quand même. Faut pas se mentir. Oh, ah oui, on protège. Ça va protéger sévèrement l'edge. Wow! Ok. Zora qui a dit non, par contre, c'est mon edge à moi. Tu vas te prendre le down smash et tu restes dans le coin. Et c'est bien. Fury Drake ne s'y reprendra plus. Oh là, la petite dash attack qui va pas tuer. Mais attention, on revient sur stage. Oh, on n'a pas été puni. Et heureusement, on est sur le sour spot du back air. On aurait pu vivre une chose beaucoup plus terrible. Hein, côté Fury Drake. Zora qui s'en sort vraiment pas mal pour le moment. Pour son premier tournoi, du coup, tu disais, ouais. il est de quelle commune, de quel coin, t'as une idée? Alors, Zora, il est d'Île-de-France, de ce que je vois. Ok. Par contre, il a et du coup, ça c'est moins un plaisir. Ok. Et, ah ouais, ok, d'accord, donc ça prend cette... Ah, mais j'avais pas vu, la première stock est partie sur Fury. Comment a-t-il pris cette stock? Il a tu as cligné des yeux. Ah ouais, c'est parti vraiment vite. C'est terrible, ok. Rare, ce petit side B qui garde des pourcentages de manière assez indécente hein, quand même. Ah, et ce up smash. je vais parler de tous les coups. Et ce backer. Le mec hypé non, par absolument que, tout. Je trouve que la plante n'est pas OP, mais que je trouve que c'est compliqué à affronter tout de même. Je trouve pas que c'est pété, mais je trouve que c'est compliqué à affronter. Ah, j'ai vraiment cru que là, par réflexe, il allait faire un petit... Oh! Petit tout frame sympathique là. Et voilà, on ne remonte pas au-dessus du stage. Là, effectivement, je vais encore mettre un avertissement sur la connexion. C'est vrai? Côté qui du coup cette fois-ci? Bazora. Ça a pas l'air si. D'accord, ça a pas l'air si. Ok. C'est vrai que de toute manière, visuellement, quand on le vit pas, c'est pas toujours si. Si intriguant. Ok, on a quelques petites pertes de paquets, ce qui peut expliquer du coup le gameplay très safe de notre ami Fury Drake. Bon, joli spot dodge tout de même dans le smash là-dessus. Alors on va se méfier, on arrive à un pourcentage où ça peut très vite down son side B. Côté Zora, ce qui peut devenir vite embêtant, ok. Ah ouais, on a peur quand même de s'attaquer. Ouais, on sent vraiment qu'il y a de la réticence à engager les coups. On a peur que à tout moment on se fasse tromper par le online trompeur. Oh, j'ai peur de ça, moi je fonce dans le tas, rien à foutre. Ça fait peur les plantes piranha. Alors par contre, ce side beast c'était peut-être pour le momentum à la limite. Ah ouais, ça joue très défensif. Et ça tue quand même. Ça tue quand même, on arrive à récupérer cette game terrible. Ça va tenter de s'exprimer. Alors, visiblement, ça a pas l'air si terrible. Parce qu'ils ont pas l'air d'en être choqués dans le salon. Peut-être ce sont tout simplement des habitués du online. On se fait très bien au fait de laguer de manière permanente. Hein. Ah, quand même. Le non, c'est un enfer. Hein. Non, mais c'est un enfer. Hein. Je dis ça pour rigoler. Hein. Vraiment, la moindre petite latence Smash, c'est vraiment un des jeux où. Ah bah tu ressens vraiment le moindre petit changement quoi. De toute façon, quand on arrive au stade de jouer à la manette GameCube pour gagner une frame d'avantage par rapport à jouer à la manette Pro Switch, écoute, si t'en perds 10 en online, il y a un problème. C'est là que le problème se pose. Tout à fait d'accord avec vous, monsieur Dixar. J'aurais pas mieux. J'aurais peut-être mis au pluriel, mais votre présence d'esprit est... Let's go Artefact, salut Sourif. Alors que Sous qui débarque dans la street. Sous.
Sous, tu as vu cette magnifique emote? On fait vraiment tout hein, pour essayer d'attendre les 100 subs et que tu traces le crâne. Oui. Et la barbe. Non, c'est la barbe à 100 subs et à 200, c'est le crâne aussi. Putain, terrible. On donne vraiment tout, hein, Sous. C'est le gaming! Merde. Hop! Quel emote! Incroyable! Enfin, c'est beau, c'est formidable. Incroyable! Let's go! Bah, du coup, ils repartent! Ah ouais, d'accord. Tout en confiance, tout en non-inquiétude, du coup. Bah, let's go, hein, s'ils le sentent. De toute façon, moi, je vais le voir direct, hein. Et puis, si c'est pas mieux. Ouais. DQ! Bah écoute, pour le moment ça a pas l'air de tant les traumatiser que ça, donc faut voir. S'ils en ont pas parlé, c'est étonnant. Mais si le logiciel indique, le logiciel doit avoir raison. Là pour le peu que le petit frère soit en train de lancer une partie de Among Us allègrement. Oh, Among Us pour le coup, je pense pas que ça soit le pire. Ah écoute, c'est un jeu très très lourd Among Us, tu n'as juste jamais. Jouer avec de vraies personnes qui t'entourent. Pour avoir déjà joué avec la team DC, sache que c'est un jeu qui est très lourd, moralement en tout cas. Après, je sais pas au niveau de la connexion, mais moralement c'est dur. Aïe, et il aime bien les petits spot dodge dans Smash. Ouais, il aime bien aussi les petits neutral B into the face, hein, vraiment un combo ouais. Parfait. Allez, il a crashé. Allez. C'est vrai, ça crash? Ouais, ouais, il a crash et c'est Zora. Ah non, moi j'ai plus de. Je suis plus dans la game. Ah! Alors, ça t'a fait crash. Tiens encore toi? Ah ouais, je suis dans la game et tout se passe très bien. Actuellement, un petit air dodge en dehors du stage. J'espère que ça se passe bien sur le stream. Est-ce qu'on fait comme les commentateurs de foot à la radio? Incroyable le moment qui vient de se faire, ils sont au milieu de la plateforme au milieu. On se lève Zora qui met le up tilt sur le up tilt. Ah, parfois c'est plus compliqué à observer si on ne voit pas ce qui se passe. On est toujours à 3 stocks. 3 stocks côté Fury et 2 pour Zora, on est un peu en difficulté, mais non, pour le coup, c'est bizarre, ça a l'air fluide. On arrive à mettre un superbe neutral B sur un coup de griffe de notre ami Zora. Ça se passe bien pour le moment, la plante Piranha qui snipe à coup de neutral B et qui du coup a 2 stocks d'avance, 3 pour 1. Sourif, quelle enflure, qui dit que t'as une meilleure connexion que moi du coup. C'est terrible. Ouais, et ça doit être ça. Le truc, c'est que même sans voir le truc. Ouais, le Théo qui lag switch, mais je vous en mets. Bande de cons. Tiens, regarde, on va se mettre en entre deux games du coup, hein, vu qu'il n'y a rien à voir. La caméra. Save Your Edge, c'est un. C'est neutral B. C'est la radio. Quoi. Ok. Ok. Ah oui, parce qu'on a eu peur pour toi, on s'est dit, mais quelle était donc cette option de protection de bouclier? Ok, c'est plus rassurant. On est à 102% pour Fury sur sa deuxième stock, et Zora qui est sur sa dernière à 50% pour vous donner un ordre d'idée où on en est. On vient de mettre un superbe down smash côté Zora, et on égalise les stocks une pour une, 50% quand même côté Zora. On a... Ouais. Attends, on essaie de faire comme au football. T'essaies de faire comme au football, tu sais pas, les mecs ils essaient de commenter, tu sais pas ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que même sans voir la game, j'ai quand même le rapport des connexions et Zora. Il arrive à laguer quand même. C'est horrible. Voilà, même sans voir la game, je sais que c'est horrible. Incroyable, Zora qui lance son attaque lag plus, attention on a réussi à récupérer. Alors, c'est horrible, Zora il est en train de spammer les coups de blaster. Et il court, il blaster. Super, mesdames et messieurs, le gameplay à la japonaise, hein, on adore. Artefact, ton miroir il tombe. Et c'est en effet très vrai. Et ouais, il est totalement incliné, c'est normal. Tout va bien se passer. Tout est normal. Le miroir est incliné. J'ai essayé de le remettre en place, la roue est partie du mauvais côté, j'ai abandonné. Enfin, voilà, un truc classique. Et c'est Zora qui va remporter la game. Alors, est-ce qu'on appelle ça une gigadouille? Wow. Ouais, du coup Zora qui remporte le match là-dessus. Et ils sont pas du tout impactés, hein. Tout se passe bien pour eux, hein. On le voit dans le chat, tout va bien. J'ai win. Quelle erreur. Impeccable, bon sinon en dehors de ça, tout s'est bien passé. C'est hype les matchs de soir. L'RCNM, belle observation. Ah non, Furidak dit que c'est ok. Ouais, c'est bizarre, hein. Ce que je te dis, c'est ils ont l'air de vraiment pas être choqués par ce qui se passe. Ok, ok. Bah si pour eux c'est clean, hein. J'ai envie de En espérant que toi ça te déco pas, parce que bon,
On sait que les joueurs lyonnais n'ont pas forcément de yeux pour apprécier le beau spectacle, mais c'est toujours bien de les former à découvrir ce que c'est. Quel enfant. Et hop là. Ah, attends. Ouais, Sourif. Renvoyé. Ah, je comprends, ouais. Ah, pas de soucis, salut. Ouais, c'est le patron, quoi. Mais non, évidemment. Ok, très bien. On va partir du coup au niveau d'un petit piqué ban. Non, normalement, les arènes peuvent contenir jusqu'à 4 personnes, je crois. C'est 4 ou 3. Non, non, et puis moi, c'est pas Mako, hein, j'ai une super fibre. Donc, Non, non, mais tu sais, le jeu, quand ils avaient fait l'optimisation du... Ah non, mais de toute façon, tu me diras, c'était à 2 personnes qu'il a été optimisé, donc qu'on soit à 3 ou 4. Tu me diras, après, c'est... parfois, t'as des trucs, genre, chez Tizi, il peut pas jouer, par exemple, avec... Oui. Avec certaines personnes, parce que ça veut pas... Oui. Et je ne peux pas jouer avec Deal. Je ne peux pas jouer avec Deal non plus, parce que nos consoles ne veulent pas se connecter. On peut pas rejoindre la même arène. Par contre, on peut jouer en quick play ensemble, si on se trouve. C'est vraiment pas cohérent des fois, Smash. Nintendo. d'ailleurs, sur le stream, j'espère que le son est bon, hein. Parce que j'ai pas rechecké le son tout à l'heure. Normalement, ça devrait être bon. Et je pense que après, je laisserai ma place vite fait à Sourif, vu qu'il est pas là longtemps. Je sais pas si tu veux caster avec Sourif, Artefact, une ou deux games, puis après laisser la main à Tizi un petit peu, puis comme ça on tourne un peu. Yes, yes, pas de soucis, avec grand plaisir, on restera dans le coin. Le son est ok, parfait. Oh, c'est si beau. Attention, la game 3. La game 3 du coup, oui, si les joueurs eux-mêmes se sont engagés à jouer ce match. Game 3, Zora Fury Drake. Toujours les mêmes piques et ban, hein. Le niveau est assez even. Ça part plus sur des douilles qu'autre chose, finalement, les stocks dans ces matchs-là. Donc, ils n'ont pas de raison de changer. Et on commence de manière un petit peu passive. On s'observe. On essaie de faire peur. Attention à ce petit air dodge, c'est assez risqué. On aime beaucoup les air dodge pour éviter la panique. Oh, on réagit vite là-dessus. Beau grab. Grab une deuxième fois. Ouh! Et toi, mon cher Dixar, le match-up plante Piranha, du coup. Ah bah écoutez, moi je le connais juste de par... Ça a tué si vite. Ah, c'était... pas mal. Ouais, oui, du coup. Donc voilà. Je le connais que par Bones et on n'a pas non plus joué des masses ensemble. Donc, c'est vraiment une surprise. Ok. Mais pourquoi c'est pas désagréable à affronter, parce que c'est vraiment pour battre une plante piranha, c'est vraiment des basiques de comment punir telle ou telle option, tu vois. Je trouve que elle a des coups plus connettes, elle a des coups très lents, elle a des coups vifs mais qui tuent pas forcément trop. Enfin vraiment elle est assez honnête dans son gameplay, et si tu veux battre, c'est très joli, c'est le petit drag down sur le nerf. Alors on remonte dans la boule. Et du coup, il y a quand même une petite avance côté Zora, mais non, en vrai, c'est bizarre parce que comment ils jouent, c'est vrai que ça a l'air vraiment fluide pour eux. Tu vois, il y a des petits reverse et tout qui se font, il n'y a pas de soucis quoi. Écoute, c'est pas nous qui jouons. Si les joueurs arrivent à mener une belle vie, peut-être que Gluttony lui aurait vu la différence de co du jeu. Oh, très joli jamblock, dommage. Oh, le Don't Smash qui. Ok. Est-ce que le Don't Smash le est la meilleure option? Anémique. Ouais, il a. Ah oui, non, mais vraiment, la plante Piranha ça fait fondre des boucliers. Un F-Smash couplé à un Saibi et le bouclier va se mettre dans son lit. C'est le proverbe numéro 3 de Smash Bros. Oh, très joli là-dessus le Dandy pour... Ouais, bon, voilà, on meurt. Très joli Dandy quand même pour dodge le back-air. Je sais pas si c'était volontaire, mais on a réduit la taille de la hitbox. Ça a permis de faire des choses plutôt sympas. Attention, c'est risqué de... Oh ouais, voilà, on a tenté de mettre une Wolf. Et... Ce petit up smash sans respect sur la plateforme qui attrape de si loin. Attention, c'est un wolf. Hein. 70%, la plante est un heavyweight. Ça peut très bien partir. On se fera pas voir avec le shine. Après, c'est rare que le shine il reparte directement sur la plante, faut qu'elle bouge pas. Je pense que là, il a compris la leçon Fury. Il y a quand même un net avantage côté Zora. Oh, petit setup, regarde. Ouais, c'était joli comme petit setup. Après petit setup 0, ok. Peut-être qu'on s'éclate sur 3 fois rien, hein, mais nous, c'est vrai qu'on on voit pas tout. Ouais, incroyable, notre ami, il tout un combo. Mais de toute façon, le plant gang, les joueurs de la plante sont vraiment des gars nice. Généralement, ils sont assez marrants quand même. C'est comme les joueurs du Yoshi. Après, ils jouent un perso détestable, quoi.
Non, non, vraiment, les joueurs du Yoshi ne sont pas forcément des gars bien. Vraiment. Quel enfer. Écoute, pour avoir rentré 156 noms ce week-end, et notamment vu des Yoshi de partout, voilà, il y a un moment, faut le dire, il y a un coup de gueule, les Yoshi on en fait plus. Oh, mais incroyable. Mais Heavyweight, mais plus que ça, voilà. Même. Bah voilà, ah, bon, allez, hop. Pied-bouche, on aime. Parfait. Titi qui lâche, ça fait une heure que je regarde un miroir qui tombe et des gens en wifi et je peux pas...